était affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle? Moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, je venais m'allonger près d'elle, sur le canapé du bordel, dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître de Rainer Maria Rilke. Blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec faïence pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes? Soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes? Leurs baisers au loin les suivent.